pour lui, c'est... Oh. Alors, quand il a découvert que les villageois faisaient ce bruit-là, oh. C'était bonheur. C'était bonheur. Des poulets, des moutons, des... Oui, des fruits bleus, mais j'ai déjà ces fruits comme ça. Je suis déjà passé par là, hein, je sais. Autre méga donjon, oui, on voit la mangrove. On voit la mangrove d'ici. Promis, je fais le retour en téléportation. Soit en téléportation, soit vous le voyez pas, c'est tout. Alors. Alors, voyons voir. Du sable, il va me falloir combien du sable? Ouais, il va me falloir. Oh, bah, tu sais quoi, je vais en prendre un stack. Un stack, voire deux. Ça me fera des réserves. De toute façon, le sable, plus tard, quand j'aurai le pulvériseur, je pourrai le faire à partir de. Comment? De cobble, je crois. À partir de cobble, on peut faire du sable. Je vais avancer un peu plus dans la mangrove. Yep. J'avance un peu plus dedans. Et voilà. Youh! Plein de sable! Bien garder visible le nom que j'ai. Merci. Tout plein! Yeah. Visible, j'ai dit, couillon! Tout plein de sable! Ouais! Regardez, en un bon coup de pelle, j'ai déjà presque un stack. Ya! C'est bonheur! C'est bonheur une pelle comme ça. Bon, par contre, ça s'use un peu plus vite, hein, visuellement. Parce qu'elle donne ses coups beaucoup plus vite. Et j'ai déjà plus d'un stack. On va s'en faire un petit deuxième. Puis ça ira bien. Y a même du sable qui s'écroule. Oh. Ça veut dire qu'il était mal placé au départ. Oh, c'est pas bien. Ouh, excusez-moi. Oh, c'est pas bien le sable. C'est pas bien, t'étais méchant. Oh, tu te plaçais mal. Hop, 42, 46. You, you. Oh, même que je fous la merde avec l'eau. 64. Ça va très bien. Très bien. Et même. C'est très con d'avoir retiré celui-là pour boucher l'eau. Voilà. Voilà, deux stacks. Youpi! Nope. Waypoint, maison, téléporte. Bam! Ok. C'était un chemin sans risque, hein. J'ai écouté, j'ai fait la téléportation pour revenir. Ok, c'est légitime. Donc, juste pour éviter que ce soit chiant et lent. Alors, maintenant qu'on a ça, on a donc le verre, on a la cobble, normalement on en a suffisamment. On a la cobble, hein? Ben, il manque la redstone. Parce que la laine, on l'a, je l'ai faite à partir de fil. Les diams pour. Ah oui, ça veut dire qu'il faut un peu plus d'obsidienne pour. Ça encore, c'est pas un souci. J'en mets plus que nécessaire dans le coffre, mais c'est au moins être, pour être sûr qu'on a ce qu'il faut. Il va falloir un livre pour le chunk-loader, une autre perle ender, il me semble, un peu plus d'or. Ah, de l'or, est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'en ai assez? Il m'en faut de base 7. Sans compter le chunk loader, il m'en faut 5 de plus avec le chunk loader. On arrive à un total de 12, il m'en manque 3. Il m'en manque 3. Il m'en manque 3. Il m'en manque pas. Et il va me falloir de la pierre lisse. Faut 4. Excellent! Il va me falloir. Puis j'avais encore un peu de cobble ici, très bien. Ça s'annonce très très bien, ça, dites-moi. Il va me falloir, il va me falloir, il va me falloir. Écoute, pour l'instant, je fais ça à cuire. La pierre lisse, je l'ai. Regarde donc la suite. Du cuivre, t'en as assez, Nazmec. Du fer, t'en as assez. Le bois, ben, au pire, il y a des arbres dehors, c'est pas un souci. Et là, j'ai pas assez pour cuire tout cet or. Un autre et ce sera bon. Qu'est-ce qui te manque? Non, tout ce qui manque, c'est la redstone. Tout ce qui manque, c'est la redstone. C'est pas mal, ça.
Pas mal du tout! Pas mal du tout. Ok, donc là, ça commence à prendre forme là-dedans. Ouais, de la redstone, j'en ai 11, il m'en faut encore la même, quoi. Il me faut encore une dizaine de redstone. Et ça ira? Donc, une dizaine de redstone. Une dizaine de redstone. Ça fait qu'il faut descendre assez profond quand même. Hein. Il faut descendre assez profond. Donc, on va repartir du côté grotte. Du côté. Oh, tchou-tchou. Du côté. Du côté profondeur de grotte. N'est-ce pas? Oh. Je suis suivi. Je t'ai aperçu. Coucou! Je vous ai aperçu. Et de 1. Et de 2. J'ai plus de pantalon. Je suis plus de pantalon. Je suis cul nu. Oh, il y a plein d'or ici. Ah. Miam. Oh, il y a plein d'or ici. Miam, dites-moi, miam! Oh! Oh, il y a beaucoup de squelettes dans le coin. Il n'y avait pas un spawner de squelettes? Ah! Ah! Bah! Nya! On va arrêter les conneries là, hein? Donc, Headstone! Où es-tu? Pas par ici! Pas par ici en tout cas! Allez hop, dégage mon gars! Dégage! T'es pas par ici, Redstone! Si, tu en as plein! Il y a plein de Redstone! Redstone! J'en ai combien là? 13! Yeah, génial! C'est quoi ce truc? Je sais pas, hein. Bon, ben je saurais pas. Je saurais pas. Je suppose qu'il faut la pioche en acier pour le récupérer. Je veux dire la pioche en acier de Tinker's Construct. Au moins d'un doute. D'accord, c'est une partie du donjon. Ok. Là, le cristal blanc qui va enlever la régène. Ben, eh bien, on va repasser par le donjon, écoute, hein! J'aimerais bien remonter à pied. Même si je sens que c'est une idée à la con. Je sais pas pourquoi. Comme ça, une intuition. Une très forte intuition. Oui, bien sûr. Allez, fous le camp. Il y a une araignée en face. Il y a une araignée, j'ai vu sur le radar. Il y a un zombie maintenant. Ah, c'est une zone à spawner, putain, c'est pour ça. Hey, là, je suis tenté de dire. Vous ne spawnerez nulle part! Bande de saligots! Nulle part! Putain, c'est immense! C'est putain d'immense, en fait! Ah! Connard! 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 Oh merde, des grippes! Nien! Nien!
Ça aide. Pour nettoyer, de savoir où les monstres peuvent. Ah bah tiens, c'est l'échiquier que j'avais vu. C'est l'échiquier que j'avais vu, dites-moi. Ah ben, ok. C'est pour ça que c'était aussi grand en fait. Parce que je voyais l'autre structure là-bas. D'accord. Bon ben là ça a l'air nettoyé en tout cas. Ah bordel, bon. Ça a l'air nettoyé et les monstres ne pourront plus spawner surtout. C'est hyper pratique cette touche F7. Maintenant, la question est où se trouvent les coffres s'il y en a? Tu sers à rien, toi. J'ai plus de place dans mon inventaire? Si. Ah, c'est juste que c'est trop loin. D'accord. Tap! Un spawner. Il est en dessous. Ah! Épée en fer, je peux quand même prendre, ça en fait une d'avance. Des petits pains, bien sûr, de la glowstone, évidemment, du fil, pourquoi pas, des flèches, bien entendu. Du nonos. Des torches. Oui. Non. Oup! Eh, d'où tu viens, toi? Petit chêne à pain. Ici, je viens de le fouiller. Il se démerde. Quitte à ce qu'il soit bloqué là-dedans, je m'en fous. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Ah bah, il y en avait qu'un seul. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est affiché ou masqué? C'est affiché. Ok, c'est de là que je viens, d'accord. C'est peut-être de là d'ailleurs qu'est venu le zombie aussi. Non mais ok. Ok. Il y a également plein d'obsidiennes ici, c'est pratique. Alors. Ah, les barreaux que j'avais pas ouverts, parce que j'avais peur. Grosso merdo, hein, c'est pour ça. Ah, couillon. Ah, c'est mieux. Et là, des barreaux que j'avais refermés, parce que j'avais très peur. Je crois qu'ici j'avais fouillé à l'extrême va-vite, c'est-à-dire quasiment pas. Parce que je suis, il me semble, décédé dans les environs. Il me semble, hein, il me semble. J'entends les blaises du niveau inférieur. Que ce soit pas là que je sois décédé. Non, il semblerait pas. Je sais pas, je sais pas exactement. Qu'il en soit au niveau inférieur, c'est sûr qu'il y a des belles saloperies. Hein. Ça. On n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt à descendre trop bas. Voilà. Fallait être décoincé, c'est tout. Et ok, on revient là. Bon, bah très bien. Très bien. Bah à la limite, vu qu'il y a les escaliers. Non. Mais. On téléporte. Voilà, ok. Donc on a la redstone maintenant. Super. Ce qui fait qu'on a, en théorie, tout ce qu'il faut pour mettre en place le montage. Personnellement, ça me fait plutôt plaisir. Ça me fait plutôt plaisir, je dois bien l'avouer. Regardez ça, on le fout là. Il y a du merdier encore à ranger. Exploration plus 7 d'attaque. C'est aussi efficace que le diamant, putain. C'est aussi efficace que du diamant. Sûrement moins durable, mais autant efficace.
Chapeau, chapeau. Hop, la glowstone, c'est rare ce truc. Les barreaux, ici. Une armure en diams. Je me pose une question. Ouais, mais elle serait pas enchantée. D'ailleurs, enclume. Il y avait une enclume à l'un des étages en dessous. Je sais plus comment ça fonctionne, les enclumes. Très honnêtement. Très honnêtement, je sais plus comment ça fonctionne. Ça fait tellement... Mais tellement longtemps que j'ai pas vu une enclume. Que j'ai aucune putain d'idée de comment elle fonctionne. Mais aucune, hein. Sérieux. En plus, là, elle est très endommagée. Je sais pas combien d'utilisation elle a restante. Sûrement pas des masses. Sûrement pas des masses. Mais bon. Coûte rien d'essayer. Personnellement, je préfère réparer mon armure plutôt que... Ouais, comme ça, elle y conserve et elle est quasiment neuve. Elle a combien d'utilisation restante, là? Mais d'où tu viens? D'un étage en dessous. D'un étage en dessous. Ok, j'ai rien dit. D'un étage en dessous. Ouais, ça me semble pas mal. 15. Allez, je prends. Je prends. Hop. 400. Oh putain, c'est tellement, tellement plus durable. Un pantalon. Protection et thorns. Youpi. Youpi. Tout simplement. Ah, je me demande si on peut pas fusionner ces deux-là. Non, ils sont pas de la même couleur. Je suis pas sûr qu'on puisse. Simplement pour le lols. Protection 3, Unbreaking 2. Ouais, c'est, ça y est, je commence à reprendre la logique, à reprendre en tête la logique des enchantements. La logique des enchantements de Minecraft, des combinaisons d'enchantements surtout. S'il y en a deux du même niveau, ils vont fusionner et donner le niveau supérieur. S'il y en a deux du même nom et de niveau différent, il va rester seulement celui de niveau supérieur. Il ne sera pas amélioré. Là, par exemple, entre les deux pelles, efficiency, là, ça donnerait donc un efficiency 4 et un unbreaking 1, si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas... Ouais. Et si on les met dans l'autre sens... Là, ça coûterait 12 niveaux... 13 niveaux. Va savoir pourquoi. Moi, ce que je vois... Moi, ce que je vois dans les deux cas, c'est qu'on a une pelle en fer avec efficacité 4 et incassable 1. Enfin bon, celui-là, il coûte moins cher, à la limite. Allez hop, très bien. Très bien, très bien. Et au niveau des arcs, tant qu'on y est... Il n'y a pas d'arc enchanté là-dedans? Non. Par contre, Fire Protection, Sharpness et Unbreaking 3. Remarque, au niveau des armes, vu que je vais me faire des armes qui se régénèrent à terme, en rendre certaines incassables, c'est pas forcément un bon plan. Il vaudrait peut-être mieux rendre une armure en incassable. Et en protection contre le feu, ça putain, c'est tellement bon, protection contre le feu. Sharpness, c'est idiot sur une armure. On va voir, on va voir. Il a déjà protection 4, unbreaking 3. Protection 4, unbreaking 3. Oh putain, c'est... J'avais pas remarqué. Protection 3, Feather Falling 4 et unbreaking 3. Oh putain. En fait, il me faut des pantalons. Il faut des pantalons avec ce bordel. Ah oui, mais elle a déjà protection. Donc il aura pas Fire Protection. C'est incompatible maintenant. N'est-ce pas? Eh ouais, c'est incompatible. Par contre, Unbreaking, lui, il l'accepterait bien, hein.
Est-ce qu'il vaudrait pas mieux faire un autre paire de pantalons? Oui, de pantalons. Une autre paire de pantalons en je ne sais quoi. En acier. En acier. L'acier. Efficacité équivalent au fer. Durabilité supérieure. Double, je crois. Durabilité double. On vérifie ça tout de suite. Ça peut bien en faire, ouais, de l'acier, des armures aussi, pantalon d'acier, ouais. Avec un fire protection et un unbreaking, ça pourrait donner quelque chose de franchement pas mal. Le truc, c'est que si j'utilise cet acier-là, pas des masses quoi. J'en ai pas des masses. Remarque, ça demande ensuite n'importe quel type d'acier pour être réparé. Donc ça peut se faire. Ça peut se faire. D'autant que des méthodes pour fabriquer de l'acier, j'en aurai d'ici là. D'ici que j'ai besoin de la réparer. Ouais. Ouais, c'est franchement un bon plan. Alors, tac. 4, ça suffira. Je pense que c'est franchement un bon plan. Sincèrement. Oui, il faut que je fasse fondre ça. Là. Pas là. Merde, en blast furnace uniquement. Oh, je suis trop con. Pas là, donc pas là. D'accord. Donc en fait, non. Hein, bon. Hey, fluche. Fiche alors. Bon ben. Tant pis, remarque, ça c'est équivalent à l'acier. Hein. C'est équivalent à l'acier, je peux lui mettre un unbreaking. Il n'y aura pas le fire protection. Unbreaking 3, après oui, eux ils ont déjà du protection, donc ça sera pas compatible. Protection 2, turns 1. Unbreaking 3. Ça coûterait combien? 10. Quitte à m'en mordre les doigts après, c'est beaucoup trop bon. 226 utilisations, ça va. Ça va, c'est correct. Ok. Ok, donc on va ranger ce bouquin d'enchantement là. On a déjà pas mal de trucs. On a déjà pas mal de trucs. Pas mal, pas mal. Toi, t'es pratiquement pété, ça me saoule ça. Ça me saoule d'une force, mais bon. Enfin, j'ai quelque chose d'équivalent, moins durable, mais équivalent ici. Donc bon. Ça y est, on a le matos! Ouais! Alors. Alors, ce que je vais faire, ben je vais le créer tout simplement. Je vais le créer petit à petit. Alors, le chunk loader, clac clac, dans lequel passent les deux diamants, perlender et or. De l'or. Ah, une perlender en plus. Perlender en plus. Hop. Ah, une erreur. T'as rien à foutre là, toi. Hop. Tac. Chaque chose en son temps, s'il vous plaît. Ta 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 ta. Non, pas ça. Tac. Chunk loader. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop, on le range là, on remet tout. Bam. Ça, c'est une chose. Ensuite, il nous faut beaucoup de fer pour faire beaucoup de choses. Ça, il m'en faut deux. Je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends... Et...
prends ça. Allez, j'essaie de la faire de tête. Je crois qu'il faut ça là, qu'il faut ça là. Qu'il faut ça là. Qu'il faut ça là et ça là. Yes! Ender Tank, je les ai. Ça, c'est bon. Alors ensuite... Ensuite, il me faut... Il faut que je range ces merdes aussi. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? Hop. Il me faut quoi d'autre? Ça, il m'en faut. Il m'en faut pour faire... Tac. 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 Ça, il m'en faut. Il m'en faut aussi. Je sais plus pour laquelle des machines, mais je sais qu'il m'en faut. Il me faut aussi deux silex, que j'ai totalement oublié de prendre. Il me faut aussi... De l'or et de la red pour faire mauvais endroit. Je corrige juste après. Pour faire ce truc. Il me faut... Oui, il me faut du verre. Eh ben, puisqu'il me faut du verre, toi, tu viens là. Hop. En voilà. Hop. Ça va me faire en plus des... Non ! Couillon ! Il l'a mis où ? Il me l'a mis là. Voilà. Ça va me donner du verre. Il me faut quoi d'autre? Le bloc machine, il me faut 4 blocs de verre. On est en bonne voie. Ah, des pistons, il va en falloir des pistons. Il va en falloir combien? Je ne sais plus. Il va en falloir combien? Je ne sais plus. Je sais plus combien il va m'en falloir. Je sais que le verre, j'en fais bien plus que nécessaire. Et à la limite, c'est pas plus... Est-ce que c'est du verre qu'il me faut pour ça au moins? Je crois... Couillon. Machine frame. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Très bien. D'ailleurs, on y voit ici. Voilà la recette. Alors, un piston. Piston. Il va me falloir quelques-uns de pistons. Je sais plus combien, mais il va me falloir quelques-uns. J'ai pas assez de planches. Mais... Alors, il va me falloir combien? Il m'en faut un pour le pulvériseur. Il m'en faut un pour chaque machine. Pour chaque moteur redstone. Pour la pompe, il m'en faut ou pas? J'ai oublié. Non, pas du tout. Donc il m'en faut 5. Il m'en faut 5 si je sais compter. Ah, plein de planches. Hop. Touk-touk. Touk-touk. Touk. Touk. Touk-touk-touk-touk. 1. Normal. Voilà. Voilà. Ah! C'est pas le con! Voilà! Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il me faut encore du... Ouais, alors attends, il m'en faut combien? Il m'en faut 4, 8. 4, 8. Là, il y en a 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me semble, si ça je fais comme ça, que je fais clac, 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 et que je reprends ça. Ça donne quelque chose, ça? Oh, ça donne quoi? Wooden Wheels. Oh, je m'en fous. Ça, je crois bien qu'il m'en faut 8. Donnez-moi du verre. Je fais des recettes de tête et j'ai pas assez de bois, bon Dieu. Des bois. Des bois. Des bois. Il y a bien ce bois-là, là-haut, mais... Des bois. Des bois. Des bois. Des délicieux bois. Du baba, il fait nuit. Du baba. 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 Coupette de bois. Du baba. Délicieux baba. 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 Alors. Du baba. Un arbre pas trop grand, s'il vous plaît. J'ai pas besoin non plus d'une tonne de bois, hein. Nye. Toc, 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 toc. C'en est un petit en plus, hein. Toc. Ah bah tiens, c'est juste un bloc de haut. Bon, ok. Ça devrait me suffire, ça. De toute façon, il me faut des planches de bois. Hop. 38 planches de bois, ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors, hop. On redescend. On redescend, 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 redescend. Descend, descend, hop. Tout, 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 tout. Alors, ce bois-là, déjà. Merci. Ensuite. Ensuite, soyons un peu plus sérieux. Il me faut ici du verre, il me faut aussi de ceci, il me faut ça et il me faut ça. Voilà, 4. Bam, 4. Très bien. Ce piston-là, il sert à autre chose. L'autre chose en question étant hop, 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 hop. Pulvériseur, excellent. Où on en est maintenant? Où on en est? Tac, 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 tic, touc, tic, bam. Ouais. Voyons voir. Le chunk loader, il est gentil, il est mignon. Le pulvériseur, ok. Le moteur redstone, les ender tanks. Il me manque le générateur. Qui va donner l'énergie au pulvériseur. A savoir ce modèle-ci. 5 lingots d'or, un bloc de fer, de redstone. Ah bah ok, c'est cool. Ah bah non, il faut quand même que je prenne le matos, c'est coûteux. C'est cool. Alors, un four. Auquel on rajoute un bloc de fer. Euh.